J'ai fui mon pays parce que je me suis engagée contre l'excision et j'étais recherchée par les islamistes et par la police. It's horrible. It's painful, mentally, emotionally, and physically. And I wish that it didn't happen to me. Je suis une victime et j'ai décidé aussi de m'engager et d'aider d'autres petites filles qui risquent et qui sont excisées. Et donc quand j'ai su qu'il y avait moyen de lutter, et ça a été une prise de conscience pour moi et ça a été l'occasion pour moi de sortir tout ce que j'avais enfui en moi comme colère. Je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais me lever, je vais combattre cette pratique, qui sait un jour pour que ça s'arrête. Elle lui donne tout ce qu'elle peut donner. Elle lui donne tout ce qu'elle a. My experience was so hard with the nurses in the hospital. As a young refugee who did not have any English, and then also when I meet with other young girls who also had the same experience as me, who rejected to speak out, who say that they will be killed or they will be scared to speak out. And that's when I make decision and I say, look, we have to inform the community, we have to inform the society that this is our culture practice, but we also have to inform our community, say this is risk, you can't risk somebody's life. And that's what made me to campaign. J'ai fui mon pays à cause des persécutions que j'ai subies, à cause de mon militantisme donc lié à la lutte contre l'excision et à mon engagement politique pour promouvoir surtout le droit de la femme. L'amour est infini. Je suis sage-femme et il y a 15 ans, j'ai fait beaucoup de missions en Afrique avec Médecins Sans Frontières. Et entre autres, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai fait une mission à l'hôpital de Kismayo en Somalie. Et là, en tant que jeune sage-femme, j'étais directement confrontée avec des femmes qui avaient été infibulées. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, voilà, comment cette jeune femme va accoucher? Et là, quand j'ai vu les conséquences, je me suis dit, ça, c'est pas la culture, c'est la torture, et j'ai eu envie de m'engager. UNHCR considers FGM a form of persecution. It actually involves a number of human rights violations, right to life sometimes, right to bodily integrity, freedom of choice, many right to health, right to livelihood in some instances. So it involves a number of violations of international human rights law. Refugee women and girls around the world are recognized as refugees on the basis of a claim that they may be subjected to FGM. Yes, it is indeed a form of persecution.